On n'a même pas commencé la vidéo et Opus est déjà affamé. Non mais je rêve. Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo assez spéciale puisque c'est l'anniversaire de... Mélodie ! C'est ton anniversaire ? Joyeux anniversaire, Mélodie ! Oui ! Elle est contente. Et à l'occasion de l'anniversaire de Mélodie, on va lui faire un gâteau. Mais oui, Opus, tu en auras aussi. Comme c'est bientôt Noël, j'ai sorti mon petit bonnet. Et comme vous pouvez voir derrière, on a déjà fait notre décoration de Noël. Tous les jours sur TikTok, on ouvre le calendrier de l'Avent que j'ai fait à mes chiens qui se trouvent juste derrière moi. Ils sont très très gâtés. Mais vous aussi, puisque sur Instagram, je propose un jeu concours tous les jours. Et vraiment, il y a des cadeaux de fou. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, c'est la pâte enchantée. Bon, allez, on commence ? On va manger ? Oui, on va faire le gâteau ? D'abord, il faut faire le gâteau quand même. Vous connaissez mes talents en cuisine, ou pas. Donc je sens que ça va être génial. Déjà, Opus, il est à fond, il veut manger les œufs. Tu attends, Opus, hein. C'est dans le gâteau. Hein. Je prends la recette et c'est parti. Alors, nous avons besoin de 300 g de farine de blé, 11 g de levure chimique, 125 g de yaourt au lait de soja, 2 bananes et 4 œufs pour le gâteau. Et après, on va faire des petits gâteaux aussi pour faire de la déco. Et pour ça, on aura besoin de 70 g de farine de blé, 75 g de maïzena, 125 g de beurre de cacahuètes, un œuf et un peu d'eau. Bon, bah c'est parti, on a tous les ingrédients normalement, je croise les doigts pour pas me lever et pas aller chercher en plein milieu de la recette. Alors, on commence du coup par peser la farine de blé. On prend la balance et il nous faut 300 grammes. Au plus, là t'es sur la balance, tu vas faire n'importe quoi. Non mais il est trop mignon. Vous pouvez pas me dire qu'il est pas mignon là. 300 grammes de farine. 250... 273, 282, 299, 301. Génial. Ensuite, on prend de la levure chimique et il nous faut 11 grammes. C'est équivalent à un sachet. Donc ça, c'est chouette. Tac. Ça va, c'est pas trop compliqué. Il nous faut ensuite 125 grammes de yaourt de soja. Ah là, ça intéresse un peu plus de monde, hein. N'est-ce pas, Mélo? Attendez, il y en a encore. Non mais il en a sur la truffe. C'est beau. J'ai oublié d'écraser les bananes. Comment j'écrase dans mon saladier? Oh là là, mais je vous jure, mais c'est incroyable. À chaque fois, je fais des bêtises. Oh, bon attendez, on va déjà vite fait, hop, mélanger ça. Non, Opus, c'est fini, il n'y en a plus, t'as déjà tout mangé. Bon, je vais essayer d'écraser les bananes là-dedans. Je vais enlever les œufs. Les bananes. Vous aimez la banane? Oui, vous aimez la banane. J'ai pas de fourchette en plus. Ah, j'ai pas envie de me lever. Hein. Il manque toujours un truc, c'est incroyable. On va essayer à la cuillère. Non, mais c'est pas possible. Bon, ça marche pas très bien avec une cuillère. Ça y est, j'ai une fourchette. Ça va être peut-être plus facile quand même. Bon, la première banane. C'est quoi ça? On renverse dedans. Oui, Loulou. Et maintenant, la deuxième banane. Vous voulez goûter la banane? Un tout petit bout, sinon il n'y en aura pas assez dans le gâteau. Venez. Viens, tu aimes la banane? Assis. Tiens. Oui, je suis bon. Oui, je suis bon. Tiens. Oui, je suis bon. Il a recraché au plus. Je rêve, je te fais un gâteau à la banane et toi, tu recraches. Tu aimes ça normalement. Là. Bon, bah c'est Mélodie qui a tout bouffé, comme d'habitude. Je vous jure que je fais un gâteau à la banane et si Opus n'aime pas la banane... Monsieur fait le difficile. En plus, d'habitude, il aime, hein, franchement. C'est juste en vidéo. Ah, je m'en mets partout sur les doigts. Moi, ça me donne envie, en tout cas. Place aux œufs. Comme vous savez, je déteste casser les œufs. Ça me stresse. Non, toi, tu t'en vas pas, merci. Hop. Ah, je crois que j'ai mis une coquille. Et le dernier... Hop, maintenant, on mélange tout. Non, Opus, il lèche. Mais maman, tu me vois pas? Mais maman, tu me vois pas? Je te vois, Pupus. Je te vois. Bon, ben voilà, hein. Franchement, c'est chouette. Hein. Et on va prendre notre récipient. Il est déjà beurré, comme ça ne va pas coller. Ça, c'est un beau
gâteau d'anniversaire. Oui. Donc ça y est, c'est parti au four. Et pendant ça là, on va faire d'autres biscuits. Est-ce que vous voulez lécher le saladier? Ça, ça vous intéresse peut-être. Tiens, ça c'est le bon moyen pour en mettre partout dans les poils. Hein? Ouais, ouais, ouais. On va maintenant faire les biscuits pour la petite décoration. Nous avons des emporte-pièces pour faire la petite déco. Comme c'est bientôt Noël, c'est super. Et c'est parti, on va repeser tout ça. 70 grammes du coup. 75 grammes de maïzena. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise? 125 grammes de beurre de cacahuète. Si j'arrive à ouvrir le pot, c'est bon. Bon, cette fois-ci, je vais être obligée d'aller chercher une petite cuillère. Alors, ça colle en plus. Et il nous reste un œuf. Ah, j'aime pas. Voilà. Est-ce que vous aimez le beurre de cacahuète? Parce que j'aime pas, moi. En tout cas, ça sent super bon. Est-ce que vous croyez que je rajoute un petit peu d'eau? Et ça, est-ce que ça donne une pâte? Bon, déjà, c'est possible, ça fait une pâte quand même. C'est pas comme ma dernière vidéo YouTube. Bon, voilà, je pense que c'est à peu près mélangé, même si on voit encore quelques traces. Mais c'est pas très grave. Hop. Et on va étaler. Hop. Avec une étoile. Bon, on va tout mettre, hein. Oh, franchement, ils sont trop mignons. Hop. Hop. Qui est-ce qui a 6 ans? Qui est-ce qui a 6 ans aujourd'hui? C'est Mélodie qui a faim, qui se lèche les babines. Oui. Oh, c'est pour qui ce beau gâteau? C'est pour Mélodie. Vous voulez manger? Vous voulez goûter? Allez, prenez. Oui. Mmh. Ils savent plus quoi manger. Vas-y, prends Mélodie. Prends les petits biscuits. Oh, c'est trop mimes. Oh non, je suis morte. Bah, au plus, goûte aussi. Vas-y. Non, ça, c'est du plastique. Vas-y, mon loulou. Ah, il ose pas. Tu veux le petit sapin? Tu veux le petit sapin, Pupus? Tu veux? Ouh. Tiens. Il est trop mimes. Oui, mon gars. Tiens. Tiens, mon gars. Eh bien, on se retrouve. Comme vous pouvez le voir, le gâteau a bien cuit et nous avons fait des petits biscuits et on a fêté l'anniversaire de Mélodie. Oui, ma puce. Donc bien sûr, comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas encore tout mangé. J'avais fait plein de biscuits, il n'en reste plus que un. Et le gâteau qu'ils vont manger un peu plus tard. Et Mélodie a eu son cadeau. Tu montres à la caméra? Qu'est-ce que c'est? Ouh, il est trop mimi. Il fait pouet-pouet. Oui, il fait pouet-pouet. Ouh, ça fait pouet-pouet. Mais vas-y, monte sur la table. Va chercher. Ouais, vas-y, c'est le bazar. Bref, voilà, je pense qu'ils sont très contents. Au plus qu'il veut entamer le gâteau. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu parce que nous, on s'est bien amusés. Au final, on a fait un peu deux gâteaux en un puisqu'on a fait le gros gâteau et les biscuits. Si jamais vous voulez reproduire, par exemple, que les biscuits pour Noël, bah vous pouvez parce que franchement, ils adorent. Donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime et à commenter la vidéo si elle vous a plu pour nous soutenir et aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Voilà, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !